Et tout de suite, sur un marché de gribilles. Et voilà le premier but. Enfin le premier but de la rencontre, marqué par Ivry. Un superbe contre-pied trouvé par Simonet. Ouais, Diego Simonet. Et c'est une finale. Et la tension fait que pour les attaquants, c'est encore plus difficile en début de rencontre. Ouais, c'est vraiment Simonet qui met le temps fort à chaque fois. Il y aura 2 minutes pour Lucas Karabatic pour un tirage de maillot. Les arbitres ne laissent rien passer. Très bien. Ouais, ouais, attention de ne pas trop répéter ses passes au pivot. Et le coup de fou. Oh, oui. Vous liez le but de la rencontre. Contre-attaque à 4 contre 3. Oh, superbe faute. Il a pointé la passe, emmené le défenseur. Voilà Diego Simonet. Encore une fois un doublé, voire même un quadruplé cette année. Et Ivry est merveilleux avec Diego Simonet. Quel joueur, quel joueur. Qu'avec Ivry, avec Simonet. Voilà, le voilà. Et hop. Oh, oh, super chanté. Il fait ce qu'il veut et ça ne m'étonnerait pas que Patrice Canaillet adapte sa défense parce que là, c'est vraiment Simonet qui fait tout le jeu à Ivry. Et ce chou de la défense de Montpellier. Que c'est beau, que c'est beau. Ce chou vers la défense de Mickaël Guigou est très gênante. Oh, super. Oh, mais lui, alors vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire contre lui aujourd'hui? Ah, mais c'est fantastique ce qu'il vient de faire. En tout cas, aujourd'hui, ils n'ont rien de petit. Non. Bousnina. Oh, ouais, alors là aussi c'est un travail extraordinaire de Bousnina qui a conservé la balle à droite.